le mot même de bavine qui veut dire femme, est devenu presque gênant à employer pour dans la vie de tous les jours, parce que c'est un mot qui est forcément aujourd'hui lié à un mythe. À un mythe qui est celui des gens d'ailleurs, que l'on s'est plus ou moins approprié, mais pas vraiment. Hinano Dexter a été Miss Tahiti en 1995. Aujourd'hui, malgré une vie professionnelle bien remplie, elle participe régulièrement au jury des élections de Miss. Il faut arrêter surtout de penser à la femme juste comme un objet, mais de regarder une femme, même si qu'elle soit belle physiquement ou pas, mais qu'elle est polynésienne, de la regarder surtout par ce qu'elle a apporté, par sa joie de vivre et son quotidien, qu'est-ce qu'elle peut apporter comme générosité. Les femmes polynésiennes n'ont pas changé, elles sont toujours aussi belles et aussi agréables et accueillantes. En revanche, elles ont beaucoup de choses à dire, elles sont entreprenantes et je pense qu'il faut aller au-delà du mythe, c'est de voir qu'est-ce qu'elles peuvent apporter dans la vie de tous les jours. Et je dirais même qu'en Polynésie, c'est la femme qui contrôle. Nous allons vous emmener à travers les îles, à la rencontre de quelques-unes de ces femmes. De Macao la danseuse, à Mama Ruti l'herboriste, d'Yvonne la femme politique, à Célestine l'écrivain. Bora Bora, bien loin des complexes touristiques, tard dans la soirée, nous sommes sur un stade où la troupe de danse d'Anao prépare en toute simplicité les fêtes de juillet. La danse est à la fois un ciment et un lien social qui rassemble les populations dans toutes les îles de la Polynésie. Nous sommes à Punaouia, où Macao Foster organise avec sa troupe un spectacle à l'occasion de la fête des mères, une fête importante en Polynésie. Je pense que j'ai un rôle, c'est de pouvoir passer ce que mes ancêtres ou ma mère m'a transmis, que c'est comme ceci, c'est comme cela. Fais attention, il ne faut pas perdre la culture, c'est important. L'identité est très importante, surtout pour une race. Quand il n'y a plus ta langue, c'est dur. Il y a la langue, il y a tout ce qui va avec. La transmission de cette danse-là ne vient que simplement quand tu as pris au foyer, au cœur, ou plutôt, comment dire, au nombril de ta culture, toi déjà en tant que famille, pour pouvoir par la suite passer. Voilà, et quand elles ont fini, vous écoutez bien. Vous écoutez bien que la chanson de Témoigné est presque finie. Vous devez commencer de revenir sur la scène. Soyez des deux côtés, sauf les deux qui sont allés par eux. Ça s'apprend très jeune. Je pense que c'est un milieu contagieux où les sœurs, les frères, toutes les familles se mettent en place et c'est contagieux. Celles qui ont commencé des petits, et la graine a poussé, donc il y a les feuilles qui sont mises en place. Donc les choses sont beaucoup plus faciles, elles sont beaucoup plus pénétrées par la culture. OK, à 1h30, les filles, c'est parti. La danse parle beaucoup, exprime beaucoup le plus profond de cette culture qui parle de l'appartenance. C'est appartenir à cette culture qui est le plus beau pour moi. Ça a fait beaucoup de mal à la culture parce que ça a été vu vulgairement. Et encore de temps en temps, mais moins. Il y a 20 ans, les hommes ne laissaient pas leurs femmes danser parce que c'est un acte de prostituée, de malfaisant, de femme volage. Je
Qu'on appelle une émotion qui émane, ce qui veut dire, cela dépend de la personne qui reçoit. Mais il reçoit, il peut sentir qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de force, c'est ça, c'est ce partage qui se fait et tous ceux qui sont en public là voyagent en même temps, dans la même dimension, mais dans ma compréhension peut-être qui n'est pas le même, mais qui est le partage de ce plaisir d'envoûtement. Et on arrive à même. C'est très important. Il faut que chaque mouvement plane définit l'endroit, définit l'amour. Le plus profond, c'est serré. Donc, ça, c'est. C'est une force d'amour. Chaque geste définit quelque chose de la bouche, juste un message où je te parle. À la danse que j'ai fait avec ma fille, elle est une reine de la nuit, donc dans toute sa splendeur, ça fait partie de sa fierté et de moi-même en tant que mère. Donc c'est ma fierté à moi de la voir danser. Partager ce moment avec moi, parce que c'est pas souvent que je me retrouve sur scène avec elle ou que maintenant que je laisse la scène et que c'est elle qui fait la relève, qui prend beaucoup plus la scène, parce que c'est le moment pour moi de me retirer tout doucement. La danse tahitienne a quelque chose de libérateur au niveau du physique. Mais en même temps, c'est une discipline. C'est une discipline et ça donne des gestes extrêmement gracieux à tout le monde, aux hommes comme aux femmes. Et c'est un mode d'expression qui est devenu important aujourd'hui. Il faut dire que là aussi, les écoles de danse, elles n'existent que depuis tout au plus une quarantaine d'années, voire moins. Il n'y a pas d'âge de base, on va dire, pour justement apprendre à danser. Le mouvement, il y est dès le départ. Et surtout, on va dire, ça va être surtout la souplesse du corps qui va être travaillée. Donc un déhanchement n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que ben, la base au niveau de la danse tahitienne, c'est vrai que c'est d'être très développé au niveau des hanches pour une femme. Thierry présente le spectacle de fin d'année de ses élèves. Un rendez-vous très attendu. Aujourd'hui, la danse est considérée comme une pratique libre, mais il fut une époque où elle était interdite. Interdite pourquoi? Parce qu'on la trouvait très vulgaire, parce qu'on brandissait une partie de notre corps qui n'était pas autorisée, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'interdit. Aujourd'hui, on la vit vraiment à 100% et on en fait ce qu'on a envie selon l'état d'âme qu'on a à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on a l'image de la varinée avec son petit paréo, la couronne de fleurs, la fleur à l'oreille. Ça fait partie de notre tableau, il est vrai, mais on se cache de la vérité actuelle, c'est-à-dire que la varinée, on la verra plus active, très professionnelle, modernisée, le maquillage, la coiffure. Une fleur, oui, à l'oreille, mais ça ne sera plus la varinée de l'époque, tout épanouie. La varinée d'aujourd'hui, elle s'est modernisée, elle fait beaucoup de choses à côté et elle en fera encore plus. Thierry règle les derniers détails d'un événement caritatif, le Tamouré Marathon, une épreuve d'endurance qui va durer plus de 5 heures.
Moi, je veux avoir des affiches et du scotch. Des affiches, une affiche. Pour être une femme dirigeante, hein, d'une troupe de danse, organisatrice d'événements, ça a été proposé aléatoirement, mais quelque part, ça m'a plu parce que je l'ai provoqué. C'est le personnage médiatique qui a fait en sorte à ce que je sois aujourd'hui responsable de manifestations, à ce que j'organise, à ce que je dirige. Voilà. Allez, venez, venez, approchez-vous. Commencez à vous aligner. On veut toutes vous voir. La danse, elle fait partie de la société tahitienne. La danse, elle est nécessaire. La gestuelle, lorsque les Tahitiens parlent, ils mettent toujours un peu les mains pour raconter un peu leur histoire. Le tamouré, comme aujourd'hui par rapport à l'événement, il rassemble beaucoup de personnes et on sent que ces personnes sont en besoin de ça pour se défouler, pour échanger, pour partager, pour se changer les idées quelque part. Parce que bon, il faut dire que la vie, elle est difficile actuellement et que 5 heures à danser nous permettent en fait de se déporter vers autre chose, oublier ses soucis et prendre tout ça avec le plaisir. Ok. Alors que la nuit avance, les irréductibles sont encore nombreuses malgré la chaleur et les ampoules aux pieds. Sous la direction des différents professeurs qui se relayent, elles achèvent épuisées mais heureuses 5 heures de marathon. La danse a souffert de l'évangélisation, les églises, et en particulier les évangélistes, rassemblent les communautés et se retrouvent le dimanche pour chanter. L'évangélisation, il faut oublier qu'elle a été faite par des hommes plutôt puritains. Donc à partir du moment où ils ont commencé à avoir de l'influence sur les esprits, ils ont conditionné en effet la manière de penser, la manière de vivre de beaucoup de gens. D'une majorité, bien qu'il y ait toujours eu des gens qui ont pu échapper à leur influence. Malgré les excès de l'Église, la population reste attachée à un certain nombre de valeurs ancestrales, comme cette idée de mana, une puissance spirituelle qui les accompagne au quotidien. Mama Roti est herboriste. Elle pratique la médecine traditionnelle. J'ai donné avec les bananes 300 francs le tas. Les gens disent « Ah, c'est moins cher Thomas, il faut donner 500 le paquet. » Je dis « Non, c'est à moi planter, je ne peux pas vendre cher. Hein. » Ça gagne un peu de sous. Pour nourrir à nous, acheter ça, hein, le faire, comme ça, la vie. Aide-moi. Ya, ya, tu le vois. Je vous aide pas trop. Mama Roti ne possède rien, juste son savoir. Un incendie a détruit toute sa maison. Il ne lui reste qu'une pierre de lave qui sert à ses préparations. Pour les plantations tarot, hein. J'ai trouvé, hein. C'est mes grands arrière-grands-pères, par exemple, cachés. Hein. Que c'est pas fait. Hein. Ça écrase les machins, là. Voilà, comme ça, il faut faire. Voilà. Je mélange dedans, après, je fais les jus. Je mets un compresse bien propre. Après, on met dans un verre, bien dans un bocal. Le raoût, son remède, est ensuite réparti dans différents flacons en fonction des spécialités qu'il comporte. À côté du raoût, c'est du médicament, ça. Quand tu es trop fatigué, tu bois ce raoût. C'est les quatre bien. C'est pour ton corps. Hein. T'as plus mal au dos, bien en forme que tu travailles. Manger bien. Ah là, ici, dans mon foie, ça fuse. On va retirer ça ici. Tu vois les plantes là? Voilà. Voilà. C'est ça le plan qu'on a fait, le raoût là, dans le galon. Il faut ça. Si on n'a pas ça, on ne peut pas faire du raoût petit.
Il faut que j'attende plein. Ça pousse parce que les graines, je jette les graines. Hein. C'est ça les graines. Voilà. Les noirs, les graines, ça. Ça, les graines poussera là. Il y a plein de mamans qui viennent demander. Je donne les graines. Pas les boutons comme ça. Ça, on fait ce râle là. Voilà, maman. Toi, pour toi. Merci. Vous avez vu ce qu'elle fait, aller chercher les plantes et les préparer. Aller chez le pharmacien, c'est tellement plus simple. Tout est conditionné, tout est prêt. Et à partir de ce moment-là, il est évident que certaines personnes ne voient pas pourquoi. Mais ce qui se passe, c'est que quelquefois, ils y reviennent, les gens reviennent aux soins traditionnels parce que ben, la médecine ne guérit pas forcément certaines choses. C'est du tiaïri, ça. Il n'y a que un qui vient. Ati. Tu n'as pas compris, c'est un toi. Là, là, il vient encore chez moi. Ouh, là, là. C'est tu, c'est maman, là. J'ai tout expliqué, le râle, ils n'ont pas. Mama Roti s'énerve un peu. Malgré ses explications bien précises, une voisine revient la voir. Elle reste dans son véhicule. Elle ne souhaite pas être remarquée. Mama Roti va effectuer ainsi sa consultation et lui renouvelle ses recommandations. Mama Roti demande à sa fille de lui préparer un flacon de raou. Les médicaments, il faut laisser, il ne faut pas mélanger avec ça. La maman et la bébé écoutaient que j'ai dit l'autre fois. Elle a dit, Mama Roti, ma fille m'a grandi, il faut prendre mon cachet. Non, tout, non, ça ne sert à rien, les bancs que j'ai donné, les plancos que j'ai écrasés. Ça revient encore ton maladie. Avec la même passion et la même générosité, Mama Roti lui renouvelle ses conseils. Ça, pas chez vous? Ah si, Mama Roti, il y a chez nous dans le jardin. Arrache même ça. Ça que je veux. Vous faites votre arbre. Mais les enfants qui comprennent, on va ramasser. Les autres n'ont pas à comprendre, c'est Mama Roti qui va aller ramasser tout. Hein. Avec mon bicyclette, hein. Les tout ramasser, je aide. Hein. J'aime bien. Ben. Il existe un mot en tahitien pour dire cet élan, cette disposition d'esprit. C'est un anater. Un anater, c'est être habité par le désir de voir cette personne guérir. Et si on n'a pas ce désir-là, ben on ne fera pas du bon boulot. Au-delà de la technique elle-même, il y a une certaine appétit de vie que l'on transmet en même temps que le soin. Jamais je prends des sous. Non. Plein de gens, des gens riches, viennent donner des sous dans ma main. Je dis non. J'en ai des sous pour me dire non. Je ne veux pas prendre ça. Je veux aider. C'est vous qui pensez qu'est-ce qu'il va donner pour moi. Ce n'est pas moi qui demande quelque chose, non. Pas payé, hein. Je donne les galons blancos sans payer, hein. Ça, c'est ma grand-mère qui a appris ça. Les livres de ma grand-mère, maman Nani. Mais je recopie dans ma tête. Tout le temps, ça. Aller dans le coco. Quand je vais mourir, tu envoies tout. Il n'y a pas des enfants qui vont prendre ça. Je dis, mettez dans votre coco. C'est ça le coco. Quand maman va mourir, il n'y a plus de coco. Partir tout dans la terre. Hein? L'inquiétude de Mama Roti de voir sa science disparaître fait place à l'espoir. Heureusement, des jeunes comme Bella sur l'île de Mouréa pratiquent le massage polynésien traditionnel, un savoir qui se transmet aussi par les familles. Je suis d'abord née ici, j'ai toujours vécu ici, j'adore mon île. On utilise l'huile de tiare, hein. C'est le mon œil. À partir de là, elle a des nœuds. Je travaille un peu plus en profondeur. Voilà, pour
Non pas pour guérir, mais pour essayer de lui faire du bien. Et puis, pour la détendre un peu plus. Et là, l'énergie passe très bien. Donc, c'est beaucoup plus facile à masser. Et après, ça va tout seul. Pour masser, il faut mettre de son cœur. Ce qui est très important dans un massage, le contact, le cœur. Quelqu'un qui aime faire son métier et qui met de son amour, de son cœur à faire ce métier, l'énergie passera mieux. Au toucher, j'essaie déjà de me prendre en confiance, de me connecter avec le mana. Pas vraiment le mana, mais j'ai ma façon de faire qui m'aide dans mon travail. Le massage polynésien se transmet de génération en génération. C'est important d'avoir encore tout ce que nos parents, nos grands-parents nous ont appris, de le garder en famille et après d'apprendre aux autres. J'aime mon métier, j'aime le travail que je fais et c'est un cadeau qu'on me fait quand les clients sont contents. Nous sommes à Nukuhiva, aux Marquises, un archipel éloigné de Tahiti. La baie d'Atihei est une splendeur. Son maire, Yvonne Katupa, se bat depuis des années pour la préserver de l'appétit des promoteurs et milite pour sauvegarder la culture marquisienne. Moi, je pense que le cœur de Marquisien, il ne voulait pas perdre sa culture et sa identité, qu'il reste encore et il reste un Marquisien. Ça, c'est très fort sur le Marquisien. C'est pour ça qu'on a des festivals de mettre en place toutes les 4 ans. Pour remettre encore au niveau à base de leur nourriture avant et puis les danses, la culture, tout, artisanat, marquisien. Yvonne a lutté des années pour convaincre l'UNESCO de s'intéresser à ces sites. Il fait longtemps qu'on a demandé de classer les Marquises dans le patrimoine de l'humanité, l'UNESCO. Alors, très longtemps, on a traîné, on n'a pas accepté. Mais maintenant, c'était accepté. Il y a des êtres, on peut remettre encore, comme les sites archéologiques, on peut mettre encore en valeur. C'est pour ça, d'un côté, c'est très bien aussi. Et de protéger aussi, d'un côté, de ne pas abîmer les sites. Maintenant, c'est même dans toutes les petites vallées maternelles, et puis on parle beaucoup sur les enfants que le français. Alors, si on ne fait pas attention, facilement se perdre cette langue. C'est pour ça que nous, on a poussé, on a toujours à nos jeunes de ne pas parler français aux enfants à la maison. C'est un peu difficile maintenant de faire rentrer dans la tête de nos jeunes et des gens qui restent marquises, de ne pas mélanger quoi, la culture marquisienne et de la culture qui vient de l'extérieur. De notre adolescence et puis de notre jeunesse d'adulte, il y a eu beaucoup de mélanges. Et donc, il y a eu une certaine distance par rapport à la culture. Et donc, nos enfants sont nettement distancés par cette culture. Et il y a un besoin aujourd'hui de revenir un peu, de se plonger dans cette culture. Dans la culture polynésienne, c'est la femme, tout est social, c'est la femme. C'est les femmes qui font tout ça, faire tout à la maison.
tous les travaux à la maison, occuper les enfants, nettoyer la maison, la cour et tout, ça c'est plutôt femmes. Les femmes ont beaucoup de travail en Polynésie. Il y a quand même la parité maintenant, hein, la parité. C'est pour ça qu'il y a plus de femmes qui vont à la politique. Parce qu'avant, non. Mais maintenant, même les hommes, ils cherchent aussi quelques femmes qui rentrent dans la partie politique parce que c'est intéressant. Il y a des bonnes idées aussi avec les femmes. Contrairement à la métropole, les femmes ont toujours, disons, été toujours à côté des hommes. Et elles, il y a eu toujours une répartition des rôles. Et très souvent, il peut y avoir malentendu, parce qu'on se dit quelquefois que ce sont les femmes qui décident, alors que tel n'est pas le cas, par exemple pour la construction. Il y a des hommes qui sont très compétents dans leur travail, mais quelquefois pour négocier avec quelqu'un d'autre, il envoie sa femme. Mais ce n'est pas parce qu'il envoie sa femme négocier que ce n'est pas lui le chef de son entreprise. Nous sommes au Stade Pater à Tahiti. C'est l'effervescence. Zinedine Zidane et toute l'équipe du Mondial 98 va rencontrer une sélection polynésienne à l'occasion du jubilé de Christian Karembeu. Hinatea Boussi vient d'être élue Miss Tahiti. C'est parmi toutes les élections de Miss le titre le plus prestigieux. Elle doit donner le coup d'envoi du match en compagnie d'Adriana Karembeu. C'est le baptême du feu. Elle est grande aussi bien dans le cœur que dans ce qu'elle a fait, dans ses actions. Et c'est ce qui m'impressionne. Je pense pas que j'envie sa célébrité. C'est surtout ce qu'elle a représenté dans le monde entier. Tout le monde, on est 15 000 spectateurs. On fait un compte à rebours. 16, 15, 3, 2, j'avoue que j'avais pas trop envie de me retrouver à côté d'elle, celle qui vient juste d'être élue Miss Tahiti. J'étais impressionnée. Et heureusement que Dadou et Stéphane m'ont dit, mais non, tu complètes ce qu'elle n'a pas, tu représentes la Polynésie et c'est déjà un atout pour toi. Bon, je suis allée dans l'idée de me dire, bon, allez, je suis une petite Tahitienne qui arrive et... il faut essayer de faire le mieux qu'on peut. Moi, j'ai eu le mal, enfin pas le malheur, mais j'ai refusé d'apprendre ma langue tahitienne. Ma mère et ma grand-mère, elles pratiquent cette langue. Et c'est une des choses que je regrette d'avoir refusé. Et je pense que la femme polynésienne aujourd'hui, elle s'intéresse à la mode, elle est active, elle se débrouille toute seule, sans oublier sa culture. L'histoire de nos ancêtres, d'où on vient, non, je pense que la culture, c'est une des choses les plus importantes sur nos îles du Pacifique. Vous savez par là, il y en a qui arrivent encore dehors, s'il vous plaît. Je pense qu'aujourd'hui... il est vrai que la femme se bat de plus en plus pour se faire reconnaître en tant que femme. Et c'est une bonne chose pour elle. Ça a changé depuis des photos de Teva Sylvain, de la femme polynésienne. Et je pense que je représente assez bien cette image. Le lendemain, Hinatea rejoint Dadou Payet, qui dirige le comité des Miss de Tahiti. Elles ont rendez-vous avec Angeline Sabre dans un centre qui accueille les femmes battues. Le comité des Miss a décidé de soutenir cette cause et pour la première fois, une Miss s'implique officiellement dans la vie sociale. Tout le monde pense que ce n'est qu'un titre de beauté et qu'on n'a qu'à sourire, être bien à la vue des gens. Mais non, c'est également un métier comme là cette année. On défend la cause des femmes battues. Et je peux vous assurer que c'est vraiment une lourde tâche pour l'Association des Miss de Polynésie. Je crois que c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée par ce titre de Miss, de faire partie d'une association pour défendre une cause humanitaire. Je fais psychologie et une de mes profs principales
et psychologue pour enfants, psychologue clinicienne. Je pense avec mes études, j'aurais été obligatoirement amenée à aider une association ou le service social. Enfin, j'aurais été en contact avec ces personnes en détresse. Mais j'ai eu un peu plus tôt cette chance de les rencontrer, ces personnes malheureuses. C'est une excellente initiative de la part de l'association des Miss de Tahiti de s'engager pour une cause. Et c'est bien la première fois. Et c'est vrai que les Miss de Tahiti restaient sur un piédestal inabordable, c'est la beauté, bon. Et là, le fait que la petite Inatea Bouzi ait choisi aussi de s'engager auprès de nous, ça nous réconforte. Et puis on se dit, bon, ce sont d'excellentes ambassadrices pour nous, pour protéger les femmes, pour parler des droits des femmes et pour également dire il n'y a pas que des femmes battues, il y a aussi la beauté. On fait la visite des chambres. C'est le cadeau d'une ancienne femme violentée et elle a dessiné un petit peu ce qu'elle a vécu de cette manière-là, d'abord dans une sombre. Pour finir aujourd'hui, elle est très épanouie. En fait, elle a dû passer par les différentes phases pour pouvoir arriver justement à son épanouissement. Elle dit que ça a été très très dur. Voilà. Elle avait envie de voler et on l'a mis dans une boule pour l'emprisonner. En fait, c'est très symbolique. Significatif parce que les... Dans les familles. Hein, lorsque les filles se font battre, ben, on n'en parle pas. C'est tabou. Et puis, ça fait honte. Et ce sont les mamans elles-mêmes qui font le ménage, qui tiennent les lieux propres. Et elles sont libres aussi de ranger leur chambre à leur manière. Et donc ces chambres-là, au départ, sont mal rangées, sales. Et donc c'est aussi notre manière à nous de les éduquer. Mais et on voit l'évolution de la maman. Ma première visite, ça a été un véritable choc. Quand on nous a raconté les histoires de chacune, des mamans et leurs enfants, mais... Quand j'ai vu les enfants arriver de 3 ans, 5 ans, abusés sexuellement, maltraités jusqu'à... presque jusqu'à la mort, mais moi je me suis dit, j'ai vu ça que dans les films. Non, j'ai pas réalisé une seule fois qu'ici aussi on pouvait avoir des maltraitances à ce point. Où la maman elle a la possibilité de voir ses enfants. C'est dans la personnalité des Polynésiens, quelles que soient les détresses, quels que soient les conflits, quels que soient les problèmes, nous gardons toujours notre sourire. C'est vrai que c'est pas que les problèmes sont minimisés, mais c'est peut-être aussi c'est la nature, le pays qui font que les problèmes, ben, c'est aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Demain, on verra. La Polynésie est très étendue. Ses archipels s'étirent sur une surface quasiment équivalente à celle de l'Europe, avec des modes de vie et des cultures différentes. Ici, au Tuamotu, l'archipel est essentiellement composé d'atolls, un anneau corallien. À Fakarava, qui compte 200 habitants, nous allons retrouver Liana, qui a quitté l'effervescence de Tahiti pour créer avec son mari, il y a 15 ans, une ferme perlière. Après des bacs, ce sont des nains qui ont été nettoyés ce matin. Elles ont été détachées de leur support. Elles ont été débarrassées des salissures, des anémones, des acidies, des coquillages, en attendant qu'elles passent à la greffe.
L'homme était le chef de la famille, on ne s'adressait qu'à l'homme, la femme était secondaire. Mais c'est sûr que de nos jours, depuis quelques années, la femme, elle est très active sur l'île. Elle est active du point de vue social, économique, culturel. Elle prend les choses en main, elle décide. Tuamotu, se faire diriger par une femme n'a pas toujours été simple. Ils ont pris l'habitude petit à petit. Oui, ça a été. Bon, c'est sûr qu'au départ, ils ont peut-être pas très bien. Ça les a surpris, certainement, mais ça a été accepté facilement. Hein. Le lagon et le corail sont en danger. Grâce à l'UNESCO, le lagon de Fakarava est désormais protégé, classé comme biosphère. C'est important. C'est important. Ça mobilise les gens, ça incite les gens à respecter le lagon, respecter tout ce qui est vif sur le lagon et sur terre. C'est la pureté du lagon qui permet aussi à la perle de s'épanouir et d'avoir ses reflets si caractéristiques. À Fakarava, le temps s'écoule différemment. Tout est serein, tout est calme, et donc les choses se font facilement, plus facilement qu'à Papeete, il me semble. On a le temps d'habiter le temps, si on peut dire. Il fait bon, et tout est beau. Disons que le paradis, c'est le lieu où vous avez des relations harmonieuses avec les gens qui vous entourent et avec le cadre dans lequel vous vivez. Si vous êtes en harmonie avec, vous êtes au paradis. Dans la pensée polynésienne, le paradis s'appelait le Rohotunuanua. C'est un paradis parfumé qui ressemblait beaucoup à la vie de tous les jours. Mais vous savez, la plupart du temps, on ne se rend compte de la beauté du lieu dans lequel nous vivons que quand on ne l'a plus. Le paradis perdu, l'écrivain Célestine Itiuravaite l'a recherché pour y puiser son inspiration. C'est un des auteurs les plus connus dans le Pacifique. Elle vit en Australie. C'est la nostalgie qui me pousse à écrire. La nostalgie pour mon île, pour ma famille, mon peuple, mes coutumes. Et en ce moment, je travaille sur Rose qui a quitté Tahiti pour vivre en Australie. Mais même si l'histoire se déroule au pays des kangourous, c'est une histoire à la tahitienne puisque notre héroïne a un comportement tahitien. J'ai grandi avec les livres, avec Zola, Maupassant, Dostoïevski, Balzac, mais aussi avec le chant et la danse. Chez nous, le chant et la danse, c'est la joie de vivre, c'est la reconnaissance vers Dieu, les ancêtres, d'être toujours vivant. Et c'est parce que je chante et que je danse que je suis qui je suis et que j'écris ce que j'écris. Donc j'ai continué à danser et à chanter. Je suis devenue écrivain. Ou écrivaine, mais je suis née
polynésienne. Ces livres ont été traduits en 15 langues, avec des ouvrages qui décrivent avec beaucoup de tendresse et d'humour la vie quotidienne des femmes. Dans Tiare, Pito revient encore de sa randonnée avec ses copains. Il trouve Matrena dans le salon avec un bébé de 3 mois dans ses bras. Et elle lui explique la situation, que le bébé a été conçu par leur fils en France, en service militaire, et une danseuse tahitienne de passage à Paris. Alors là, Pito s'emporte. Il dit non, mais ça va pas là, mais on prend pas, on n'accepte pas des bébés comme ça. Et elle s'emporte aussi. Elle lui dit, il a le contrôle, elle lui dit, je préfère croire que cet enfant est ma petite fille et apprendre plus tard qu'elle ne l'est pas, que de ne pas croire que cet enfant est ma petite fille et apprendre plus tard qu'elle l'est. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Pito? Que je laisse ce bébé sur la route avec les chiens jusqu'à ce que tu reviennes? Il y a des choses qu'une femme peut accepter, des choses qu'une femme ne peut pas accepter, même si elle essaye. Beaucoup d'hommes ont reproché qu'il y a beaucoup trop de femmes dans mes bouquins, et 2 ou 3 hommes et qui ne disent pas beaucoup de choses. Mais j'ai grandi dans la solidarité entre femmes. Ma mère était célibataire avec 4 enfants. Ses anges gardiens étaient des cousines et des tantes. Donc ma réponse à ces hommes qui se plaignent qu'il n'y a pas assez d'hommes dans mes bouquins, je leur dis je suis désolée que vous n'étiez pas dans ma vie pendant mes années de formation et je ne vais pas vous sortir de vos caves maintenant juste parce que vous l'êtes vu. Lorsque j'écris, je ne ressens pas un devoir de mémoire, mais plutôt un espoir d'inspirer les jeunes à prendre la plume. Je suis une femme de 42 ans et il y a beaucoup de mots que je ne peux pas dire parce que je suis de la génération, je ne vais pas dire moins brave. Toutes les générations sont braves à leur façon. Mais il y a des choses qu'une Polynésienne de 25 ans pourra dire avec plus de mana, de puissance spirituelle que moi. Nous sommes à Tiaupo, dans la presqu'île de Tahiti, pour suivre Prisca, qui est surfeuse. J'ai toujours aimé la mer. Moi, c'est naturel. Et en fait, les Polynésiens, on aime tous l'eau. On aime bien être dans la mer, nager, pêcher, jouer. On est toujours dans l'eau. Toujours dans l'eau, tous les jours, pratiquement tous les jours. On aime être à la mer d'abord pour ce que ça rapporte. Ça nourrit la population. J'ai une population plutôt plus de la moitié pêcheur, hein, étant donné le site quand même. Et puis, le Tahitien aime la mer. Ne serait-ce que pour se baigner. Si vous voyez les après-midi sans école, les enfants sont là. Même si c'est des mecs, moi je suis là, j'ai envie aussi de m'amuser, je veux prendre des belles vagues. Magali. Stop les vagues. Ouais, c'est joli. C'est des jolies vagues. Bon, allez. Parce que j'étais une femme, moi j'ai dû encore plus me battre pour être plus libre, pour pouvoir surfer quand je veux. Mais ça a été très dur. J'ai remarqué qu'ailleurs, aux États-Unis ou en Australie, tout ça, c'est vrai que la femme elle a un peu plus de mal à s'imposer quand même au surf. Hein. Mais ici, le surf, c'est déjà dans la culture des Polynésiens. Quoi, hein. Les Polynésiens, ils ont déjà l'habitude, ils ont déjà cette habitude de voir des filles à l'eau. Hein. Donc, ils sont un peu plus galants. Ils me laissent les vagues. Hein. Ils me laissent surfer, au fait, normalement. Hein. Je prends mes vagues où je veux et... Ça, j'arrive à m'imposer, au fait, j'arrive à surfer quand même. Si
gracieux qu'une femme, qui surfe, c'est plus gracieux qu'un homme. Hein. Maintenant, il y a des hommes, enfin, c'est différent, mais ça fait toujours plaisir de voir une femme surfer, hein, c'est sûr. Hein. Le fait de surfeuse, c'est quand même particulier. Hein. Pour une Tahitienne, c'est dur parce qu'on a des vagues assez spéciales. Et disons que les vagues de Tahiti, elles sont très creuses, très radicales. Et pour une fille, c'est dur, hein. C'est assez dangereux. Hein. Même les vagues de plage, elles sont hyper creuses et tu peux facilement te faire mal, au fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui surfent en Polynésie. Hein. Tu peux vraiment te faire mal en surfant. Tiaupo abrite une vague réputée très puissante et bien sûr dangereuse. Depuis une petite dizaine d'années, cette vague reçoit la visite des meilleurs surfeurs à l'occasion d'une étape du championnat du monde. Prisca est une des rares femmes à s'y aventurer régulièrement. Il n'y a pas d'eau. Hein. Il suffit que tu te loupes ou tes coffres. Tu peux facilement taper la tête sur le récif. On ne voit pas, mais c'est la réalité. Quoi. Comme je sais que je peux me faire sacrément mal, donc si je pars, je pars, quoi, j'hésite pas. C'est comme ça, à Tiaupo, il ne faut pas hésiter au take-off. Si tu te loupes, ça ne va pas te rater, ça va forcément te faire mal. Ben, c'est tous les jours où c'est énorme, là je me dis que voilà, la nature, il faut quand même la respecter au niveau de sa puissance. Quand tu sens que tu n'es pas capable de faire comme d'habitude, là tu te dis vaut mieux se mettre en dessous. Parce que là, elle ne pardonne pas. Si tu prends une vague et que tu sais que tu vas peut-être te blesser, que tu n'es pas à la hauteur, vaut mieux pas insister. Il y a un mana à respecter. Ouais. L'océan est toujours plus fort que toi. Hein. Toujours plus fort que toi, l'océan. Tu ne peux pas être au-dessus. À moins d'être à fond, d'être là et de te dire « Ah, c'est bon, je vais me battre. » Là, c'est notre mentalité, alors. Moi, c'est plus pour du plaisir que je vais à l'eau, c'est pas pour me battre. Là, c'est de la survie. Ça me plaît pas. Je préfère m'amuser. C'est vrai que de temps en temps, on a envie de se faire des challenges, se faire peur un peu, mais de temps en temps, c'est pas une vie. Quand tu surfes, tu as vraiment l'impression d'être libre. Tu es là, tu es tout seul, tu es avec la nature et c'est comme si tu t'amusais avec la nature, en fait. Le surf, c'est ça, c'est le plaisir, la liberté et le plaisir d'être avec des amis à l'eau. C'est une chose unique, c'est quand même unique le surf et tu t'en lasses jamais. Tu t'en lasses jamais. En Polynésie, quoi qu'il arrive, tout se termine par des chants, des danses et des rires. We'll be right back.